Ma quando le città o le province sono use a vivere sotto uno principe e quello sangue sia spento, sendo da uno canto usi a ubbidire, dall'altro non avendo il principe vecchio, farne uno infra loro non si accordano. Vivere liberi non sanno. Di modo che sono più tardi a pigliare l'arme e con più facilità, se li può uno principe guadagnare e assicurarsi di loro. Ma nelle repubbliche è maggiore vita, maggiore odio, più desiderio di vendetta. Né li lascia, né può lasciare riposare la memoria della antica libertà, tale che la più sicura via è spegnerle o abitarvi. Alors, jusqu'à un certain point, on peut dire des lecteurs de Machiavel qu'il y a ceux du prince et ceux des discours, auquel on pourrait associer éventuellement son histoire de Florence. Il y aurait entre les deux œuvres quelque chose comme une ligne de partage des eaux, une sorte de limite géographique et intellectuelle, divisant un territoire en un ou plusieurs bassins versants pour la géographie et plusieurs espaces de questionnement, de problèmes, d'interrogations. La ligne de partage des eaux, elle délimite un territoire. Et les eaux s'en vont dans des directions in fine différentes. De la même façon, il y a ceux qui commentent les discours, qui s'orientent vers telle et telle thématique, et ceux qui commentent le prince et qui s'orientent vers d'autres thématiques. Pour ce qui concerne le prince, l'image commune qu'on peut en avoir est résumée de façon saisissante par un propos de Montesquieu. Il qualifie l'ouvrage de délire de Machiavel, qui a donné au prince, pour le maintien de leur grandeur, des principes qui ne sont nécessaires que dans les gouvernements despotiques et qui sont inutiles, dangereux et même impraticables dans le monarchique. Pour moi, ce passage constitue une brèche, une entaille bienvenue dans cette représentation des choses. Pourquoi? Parce que, en évoquant la mémoire de la liberté, qui ne se laisse pas perdre, il fait intrusion en rappelant le désir de liberté, la vie, la haine et même le désir de vengeance, dans ce qui pourrait sinon ressembler à une mécanique bien huilée du pouvoir, avec pour personnage principal un prince conquérant qui cherche à se maintenir au pouvoir et des peuples soumis. Alors, des trois œuvres que j'ai citées, on sait qu'elles diffèrent par leur forme et leurs objets respectifs. Du point de vue de la datation des œuvres, on pense que le prince a été composé en l'espace de quelques mois en 1513. Certains exégètes estiment qu'il a été cependant réécrit ou retouché à plusieurs reprises en 1514, voire jusqu'en 1518, et cette question ne sera probablement jamais tranchée dans la mesure où le manuscrit autographe est perdu. L'hypothèse est faite que Le Prince et les discours sur la première décade de Tite-Live ont connu une rédaction croisée. Machiavel a sans doute rédigé, avant Le Prince, un livre des Républiques qui correspondrait peut-être aux 18 premiers chapitres des discours, ou qui aurait au moins servi de base à la rédaction de ces derniers. Dans le chapitre 2 du Prince, Machiavel semble lui-même suggérer cette rédaction croisée, mais c'est justement pour écarter l'évocation de la liberté et du régime qui lui est associé, puisqu'il dit dans ce chapitre: « Je renoncerai à raisonner à propos des républiques, parce qu'une autre fois j'ai longuement raisonné à leur propos. Je me tournerai seulement vers le Principat, et j'irai, retissant les trames susdites, et je disputerai comment ces principats peuvent se gouverner et se maintenir. » Alors certes, le principat, c'est l'objet majeur du prince, la manière de le conquérir et de s'y maintenir. Mais malgré tout, par son évocation de cette mémoire de la liberté, le passage que je viens de citer du chapitre 5 remet brièvement en cause cette distribution supposée des questions, et ceci au nom de la mémoire de la liberté, de sa puissance irréductible et de sa force d'impulsion. Et si ce propos est intéressant, c'est non seulement pour cette raison, mais aussi parce qu'il révèle, à mon sens, la complexité de la pensée machiavélienne, voire ses contradictions internes, qui reflètent en réalité la difficulté à penser l'action politique et ses conditions qui sont tout sauf cohérentes et continues. Que nous dit Machiavel le plus souvent? Le premier élément de complexification que ce passage suggère, c'est à propos des désirs. Quand on est dans le cadre de l'analyse d'un principat, ce qui apparaît à travers ce chapitre et ce passage particulièrement,
C'est la chose suivante. Ce qui compte, ce n'est plus l'opposition entre les deux désirs, le désir des grands et le désir du peuple, dont il est si souvent question dans les discours et un peu dans Le Prince, notamment au chapitre 9. Ce qui compte, c'est la mémoire commune éventuelle qui nourrit le désir de liberté. Et la cité est alors considérée dans son ensemble, et non pas à travers l'opposition des deux désirs. De telle sorte que toute l'analyse que Machiavel déploie, notamment dans les discours, pour mettre à jour le conflit civil, n'est pas relativisée, n'est pas remise en cause, mais elle est aussi resituée. Que nous dit Machiavel dans les discours, et aussi un petit peu dans Le Prince? Il multiplie les noms pour nommer le conflit: altération, confusion, contentieux, controverse, différend, discorde, désordre, désaccord, dispute, et j'en passe, pour évoquer le conflit civil entre le désir des grands et celui du peuple. Le désir des grands et du peuple, tels qu'ils sont décrits dans Le Prince au chapitre 9 ou dans les discours, renvoie d'une part à un désir de dominer et à un désir d'autre part de ne pas être dominé, à quelque chose que Foucault, du côté des grands, qualifiera comme une liberté d'indépendance, mais une liberté au sens de l'égoïsme, de l'avidité, du goût de la bataille, de la conquête et de la rapine, versus un désir du peuple qui serait, tant qu'il n'est pas trop vif, tant qu'il n'est pas excessif, un désir de ne pas être dominé, un désir de contrer le sentiment de supériorité des grands. Eh bien, toute cette analyse-là, en fait, dans le cas d'une conquête, elle doit être nuancée, parce que ce qui compte, c'est le désir d'ensemble, la mémoire commune de la liberté ou son absence. Et c'est ça qui va être entré dans la balance des éléments de la conquête et du maintien au pouvoir. Autre élément de complexification, et qui, encore une fois, ne remet pas en cause d'autres aspects de l'analyse machiavélienne, mais les relativise, c'est ce que Machiavel développe à propos des conditions de la conquête et du maintien au pouvoir. Le plus souvent, quand on essaye de mettre en place les éléments principaux que Machiavel nous donne à voir et nous donne à découvrir sur la conquête du pouvoir et les conditions du maintien, que dit-on? On souligne qu'au chapitre 25 du Prince, Machiavel met en avant la fortune, tantôt humanisée sous les traits d'une femme qu'il faut affronter, battre et soumettre, voire culbuter au sens sexuel du terme, tantôt réifiée sous l'aspect d'un torrent tumultueux et dévastateur. Et face à cette fortune, parfois bonne, parfois mauvaise, la qualité première du prince, ce sera de s'accorder à la qualité changeante des temps, de s'y adapter autant que faire se peut, et aussi de prévoir. C'est cette fameuse image érigée des digues, canaux et barrières. Donc la variété des temps, elle exige du prince qu'il soit capable d'adapter sa personnalité au cours des choses, de prévoir, même si ce sont deux exercices extrêmement difficiles. Que mettons encore en avant lorsqu'on essaye de penser la condition de conquête et de maintien au pouvoir? On met en avant, et notamment à partir des discours, l'irréductibilité, le caractère inéluctable de la corruption des cités et des régimes. On dit que l'action humaine est possible, potentiellement efficace, mais que sur le temps long, elle rencontre une limite insurmontable, et que cette corruption est un phénomène qui fait du temps le problème par excellence de l'action politique. C'est ce que John J. Pocock a bien mis en avant. Et cette corruption, de façon très intéressante, elle est liée dans les discours à l'oubli des circonstances et des conditions d'émergence de la cité. Machiavel nous dit que l'oubli est progressif dans la durée. Les hommes, tous ensemble, les grands et le peuple, bien qu'ils soient opposés par leurs désirs, finalement partagent cet oubli des conditions de fondation de la cité, cet oubli de la commune utilité. Bien sûr, les grands l'ont presque oublié de façon intrinsèque, mais d'une certaine manière, ce que suggère le phénomène de la corruption, c'est qu'il l'oublie tout autant que le peuple, qui lui est censé être le gardien de cette commune utilité et de cette liberté. Ce que nous dit aussi Machiavel, c'est que la vertu voyage, et c'est un des facteurs qui explique la corruption. Il y a un mouvement perpétuel qui fait que la vertu passe d'un peuple à l'autre. Eh bien, ce passage, il me semble tout à fait intéressant parce que finalement, à travers lui, Machiavel ne remet pas en cause son analyse de la corruption, ne remet pas en cause son analyse de la fortune et des barrières que les hommes peuvent ériger contre la mauvaise fortune, mais il y a quand même quelque chose qui perdure, qui persiste, qui insiste, c'est la mémoire de la liberté. Et d'une certaine manière, malgré sa vision cyclique de la vie des cités, malgré ce poids donné à la fortune,
les conditions de la conquête et du maintien au pouvoir du prince doivent aussi prendre en compte de façon essentielle cet élément qui fait brèche, qui fait irruption et qui insiste toujours, finalement, quel que soit l'état des choses. C'est cette mémoire de la liberté.